بون خوتي، هاد لا بيرسون هادي خدم مع ساركوزي اللي هو دي الكلب اللي سب دزاير، اللي دا دراهم من عند الجزائريين. انفا دوك تسمعوا، واللي ما سمعش اللي ما فهمش دوك نعاود من بعد نترجمها ونقولها ان شاء الله بالعربيه. تخيل لكم اللي تراكم مليح، باسكو اليوم حنردكم مليح، حنردكم مليح باسكو يعني كلكا دو تري تري سبيسيال، دو تري تري انتريسون. سي عبد الرحمن احمد اكس كونسي دو مسيو نيكولا ساركوزي لوسكيل ايتي مينيس دو لانتيريور اي لوسكيل ايتي اليزي. Exactement. Donc, il était au cœur du pouvoir français. Et si Abdelrahman Dahmane va nous parler de l'Algérie, de la France, de ses relations tumultueuses et de certains dossiers que beaucoup d'Algériens ignorent. C'est Dahmane Ouchrak. Comment tu te sens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben écoutez, moi aujourd'hui, après avoir travaillé pendant 43 ans à l'éducation nationale, ayant fini ma carrière en tant qu'inspecteur général d'éducation nationale, eh bien, j'ai pris ma retraite. Il vaut mieux prendre une retraite pendant qu'on est jeune, pendant qu'on peut au moins discuter avec les uns et les autres. Et aujourd'hui, je me sens très très bien parce que d'un côté, je suis resté fidèle à mes origines. Je suis un homme du Sud, Hmiyani, connu, un homme des tribus, un homme qui a toujours, qui appartient à une famille, qui s'est sacrifié pour l'indépendance de l'Algérie depuis 55. Cinq membres de ma famille sont morts pour cette patrie. Moi, je suis venu en France parce que j'avais un frère. Alors, au nom de l'amour pour l'Algérie, au nom de ce sacrifice, j'aimerais que tu nous racontes avec vérité sur la fameuse histoire de Ammar Saïdani. Comment il a obtenu une carte de résidence ici en France? Parce que beaucoup d'informations disent que c'était toi qui as réussi à lui avoir cette résidence. Est-ce que c'est vrai ou non? Écoutez, c'est moi j'avais à l'époque, l'Airhmo, un homme que j'admirais énormément parce que, comme tu le sais, j'ai combattu le terrorisme ici en France pendant toute la période noire où j'ai mobilisé de Lille à Marseille contre le terrorisme en Algérie. Et il y avait un homme qui m'estimait énormément, c'était le colonel Sil Habib Souemz, qui, quand il avait il m'envoyait les Goudji, les Alani, en me disant, allez voir Dahban, dites-lui de se mobiliser. Nous, on ne peut pas dire non. Alors, on s'est mobilisé, et puis par la suite, il y a des hommes que j'ai connus, Allah yarhamo, le général, c'est Smaïl. Smaïl Ammar. L'ancien numéro 2 du DRS, il n'était pas très dans contre espionnage. C'est un homme que j'ai connu comme ça, parce qu'un jour, j'étais à l'intérieur, et puis Sarkozy m'a dit, mais, il faut quand même qu'on établisse des bonnes relations. Il n'y a pas de problème. Il y a des hommes valables, il y a des hommes qui vont, comme toi. Et, y compris aider la France contre le terrorisme. Et cet homme-là, je l'ai rencontré. Tu parles de M. Smaïl Ammar. Smaïl Ammar, je l'ai rencontré. Et cet homme-là, il avait une valeur que j'ai retrouvée par ailleurs. Avant de parler, mais quelle est la relation entre lui et Saïd Ali qui est plus tard insulté l'institution Ali? Alors, écoutez, le général et un autre qui est encore en vie, et je ne veux pas citer son nom, il m'a demandé d'aider un consul qui s'appelle Abdelrahman Sherif Mziane, consul à Paris. L'ancien consul. Ancien consul, ancien condamné à mort, et tout. Et moi, ce bonhomme-là, il m'a reçu, et il m'a demandé plusieurs choses. D'une part, c'était les rencontres. Étant donné qu'on était à l'intérieur, on pouvait établir des rencontres. C'était facile pour moi, qui était l'ami du futur président, puisque j'avais créé toutes les associations, aussi bien asiatiques, africaines, maghrébines ou libanaises. C'était au cœur du pouvoir. C'était réellement au cœur du pouvoir. Et on m'a demandé de lui faciliter les relations. Et Sherif Mziane m'a demandé pas uniquement ça. Un jour, il m'appelle et il me dit, viens, j'ai besoin de toi.
Moi, je ne pouvais pas lui refuser. C'était un homme. Comme on dit. Bon, il n'y a pas de problème. Mais non, il aime tout le monde. Moi, je voudrais. Allez, voilà. Il m'a présenté à Dassadani comme ancien président de... du Parlement. Bon, moi, j'ai vu le bonhomme. Il dit, bon, là-bas, enfin, quelqu'un qui était quand même à la tête d'une institution. Ah bah, je te le dis, non, non, masculin. Il m'a dit, voilà, il faudrait qu'on l'aide pour qu'il puisse avoir sa carte. Sa carte de résidence. Sa carte de résidence. J'ai dit, c'est très simple. Je vais appeler une personne à la préfecture et je te mets en contact direct avec lui. Et c'est comme ça qu'il a eu sa carte de résidence. Donc par la suite. Est-ce qu'il était éligible? Et c'est grâce à toi qu'il a commencé à voler et à acheter des villas en France. Non, non. Non, mais à partir du moment où c'était une personnalité politique de haut rang et que vous le présentez au préfet de police, qui à l'époque était quand même un ami, et on lui dit, il n'était pas le seul, hein. Je ne veux pas parler d'autres à qui j'ai fait. Hein. Exemple. Non, je ne dirai que sur lui. C'est des gens qui étaient au pouvoir. C'est des gens qui étaient au pouvoir. Oui, qui étaient au pouvoir et un haut rang. Alors, je dis une chose, pourquoi lui? Je n'aime pas les gens qui insultent un pays ou ses dirigeants. J'ai toujours eu cette attitude. Lorsque Sarkozy a insulté l'Algérie à Tunis, je lui ai répondu. Lorsque Sarkozy a commencé à parler de racaille et de l'islam, je lui ai dit en voix. Pourquoi? Parce que je tiens ça de mes origines. Nous appartenons aux enfants de la Révolution. Il n'est pas là pour Ammar Saïdani. Ammar Saïdani, bon, il était là, il était une personnalité ancienne. Et puis il a fini quand même secrétaire général du FLN. C'est pas moi qui a été demandé un poste au promu à ce poste-là. Bien que, je voudrais te rappeler que l'homme qui a créé le premier comité de soutien à Bouteflika, il le sait, Bouteflika Abdelaziz, c'est moi. C'était ici, le premier comité, le 28 septembre 1998, à la demande d'un émissaire de l'Arbi Bikher, j'ai créé 25 rues de Havre, à Barbès, le premier comité de soutien à M. Bouteflika. Et en avril 1999, j'ai mis en place le plus grand meeting dans le 93 avec Ali Benflis qui est témoin, puisque je l'ai reçu. Pourquoi avoir soutenu Bouteflika? Bon, parce que Bouteflika avait été en contact avec de la famille, il y a un ami, à Paris, et aussi à Alger. Et qui est-ce qui m'a fait rencontrer, il m'a fait aimer cet homme-là? Ah oui, tu aimes tout le monde. Dabi Abdelkader, et je le cite, et de l'autre côté, l'Akhdar Hamina. Et tu l'aimes aussi. Très proche, c'est même lui qui l'a pris en charge à l'époque des années 82-83. Bon, alors la traversée du désert de Bouteflika. Mieux que ça. Et puis, tu l'as connu, Bouteflika, à cette époque-là. Bien sûr. Et il y a un autre homme que je salue, un grand révolutionnaire, un grand moujahide, c'est le colonel Hossein Snoussi, qui m'a demandé absolument d'aider Abdelaziz Bouteflika pour, donc à l'époque, pour la campagne électorale. Alors ça, c'est oublié par certains. Mais moi, j'ai des témoins. Moi, je ne raconte pas des choses que j'ai lues dans un livre. Alors, je raconte ce que j'ai vécu, comme je sais parler. Est-ce que tu as été en contact avec le président Bouteflika plus tard, lors du deuxième, lors du troisième mandat? Non. Alors, non. Tu ne l'as plus rencontré? Je l'ai rencontré lorsque nous avons été en visite officielle avec Nicolas Sarkozy, président. Je l'ai rencontré à Al-Mouradia. Qu'est-ce qui vous a dit? Est-ce que les échanges étaient houleux? Parce qu'on sait que Bouteflika n'appréciait pas Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout. Pas à l'époque. Il l'a apprécié. Sarkozy, pourquoi? Il l'a apprécié au moment où il lui a remis un chèque pour sauver Alstom. Voilà. C'est Bouteflika qui a sauvé Alstom. En personne. Qui a été il l'a insulté et il l'a même
à Tunis, dont je suis le seul qui a répondu à Sarkozy dans les télévisions tunisiennes et dans les journaux lorsqu'il a commencé à s'attaquer à l'Algérie. Alors c'est Bouteflika qui a sauvé à l'instant en lui donnant un marché important. C'est l'Algérie. Mmh. Mais ils ont été stupides. Il y a une action physique. Le chèque a été remis par Bouteflika en personne. Il est revenu avec... Mais il n'y a que Bouteflika qui pouvait lui remettre le chèque. Il n'y avait pas un chèque conséquent à l'époque. Alors, c'est très important, un truc pour sauver Alstom, sauf que les Algériens sont stupides. Évaluer comment ? C'est pas les fameux 200 000 euros. Ouais, les Algériens sont stupides. C'est très très important, je n'ai pas le chiffre exact, mais il ne faut pas oublier, la stupidité des Algériens, ça a été là. Au lieu de prendre des actions dans Alstom, puisque Alstom était en faillite, on donne un chèque, on prend les actions, et à ce moment-là, on aurait profité, et toute l'Algérie aurait profité de l'influence pour construire les TGV, au lieu d'aujourd'hui, Alstom est construit le TGV. Tanger-Casablanca, il n'y a aucun TGV en cours pour être construit en Algérie. Ils ont pris de l'argent, et bye-bye. Et ça, c'est la réalité d'un pouvoir qui n'a pas le courage d'enrichir l'Algérie. Je donne un autre exemple. Vous connaissez ce que font les Chinois en Algérie. Ils font beaucoup de choses. Ils construisent, ils prennent de l'argent, ils s'en vont. Dernièrement, il y a 2 mois, la Chine a signé un contrat avec le Maroc pour une ville proche de Tanger, de 300 000 habitants avec des usines de voitures, de mécaniques, etc. C'est-à-dire... Les Chinois savent investir leur argent dans les pays comme le Maroc, qui n'ont pas d'autres moyens que la technique. Pardonne-moi, mais il y a beaucoup de gens...